black lives. Dina, si tu prends le micro, parle comme une femme. Yes. Yes, black lives. Oui, par contre, ce que je veux vous rappeler, non, c'est que départager deux personnes avec lesquelles on a travaillé directement, c'est difficile. Il se trouve que les deux finalistes, les deux, Lisbeth a commencé le cinéma à mes côtés, elle a fait son premier film avec moi en 2003, comme actrice. Et plus tard, lorsqu'elle a décidé de faire son film, j'ai produit le premier film de Lisbeth. Donc c'est très bizarre pour moi ce soir de devoir départager Lisbeth et Divana. Divana qui a été ma deuxième assistante à l'exercice sur l'extrême bout de voix. Donc encore quoi, vous voyez que les femmes congolaises viennent de tout travailler. Donc, par exemple, je comprends ce que je suis en train pour Divana, parce que quand on reçoit un piano, on est censé faire quelque chose sur la personne. Je travaille déjà avec Divana, donc ça va être compliqué d'aider. Parce que je crois énormément en cette jeune fille-là, elle a un talent incroyable. Comme pas mal de réalisatrices congolaises, une femme sans l'honneur, comme on l'a dit. Divana fait déjà partie de mon projet, ça veut dire qu'elle est déjà sur la plateforme de Trace. Ça veut dire que de la même manière que mon film a été produit par Trace Studio et par Télé 5 Monde, de la même manière, je m'arrangerai pour que Divana soit distribuée aussi. Parce que, moi, c'est la première fois que je viens à Pointe-Noire. Enfin, pas la première fois, c'est la première fois que je viens dans cette salle. Non, c'est vrai que je viens pas souvent à Pointe-Noire, malheureusement. Mais c'est la première fois que je suis dans cette salle. Et j'ai énormément de respect pour le travail de Trésor parce que depuis que je viens, on a vu les filles ensemble ici. Remarquez les ateliers à l'UAD, il y en a qui étaient dans la salle. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir, ceux qui ont suivi mes conférences à l'UAD. Oui. Voilà, il y en a qui ont suivi les conférences. Et le message était très très clair, c'est que notre cinéma prime avant tout. C'est-à-dire ce que vous faites dans le long terme au film, c'est que vous allez voir que vous allez permettre d'autres productions, vous allez permettre au cinéma congolais de continuer d'exister. Peu importe ce que vous regardez, j'ai remarqué que vous êtes de très bons spectateurs et que vous encouragez vraiment, vraiment le cinéma. Et donc je vais vous dire merci au nom de tous ceux qui ont fait ça, à ceux qui m'ont reçu ici. Et avoir un prix qui porte son nom dans son pays, je vous jure, c'est pas facile. Ça fonctionne mieux pour moi quand je suis dehors que quand je suis ici, bizarrement. Mais à Pointe-Noire, il y a eu une énergie. J'en ai parlé pendant trois jours. L'énergie qu'il y a à Pointe-Noire en cinéma, il n'y a pas ça ailleurs. Donc, continuez vraiment avec vos cris dans les salles, avec vos commentaires, parce que ça nous a fait le meilleur film. On sait comment éviter vos critiques, tout ça. Moi j'ai passé un très bon moment hier soir en regardant les films, grâce beaucoup aux commentaires dans la salle. Et c'est ce petit grain de folie là que vous avez là quand vous regardez les films qui nous poussent, qui nous donnent des idées pour des scènes qui vont vous surprendre. Ouais. Mais mon film sort bientôt et comme j'ai dit à Trésor, vraiment ce serait un honneur pour moi de vous présenter ici gratuitement parce que je pense que c'est le seul à lutter pour avoir une salle aussi grande que moi. Donc vraiment, depuis 2000, comme a dit Trésor, je ne sais pas s'il n'y a pas un cinéaste congolais de la génération 2015, je ne connais pas. Donc même le chien qui a reçu le prix que la personne a reçu Charles de Bouchard, je travaille avec le chien. Donc je crois que j'ai travaillé avec 90% de la congolais à Marquette. Donc le 10% est à moi, je suis encore là.